Salut à tous, c'est Poulpi. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle course, une fois n'est pas coutume, sur GTA Online, avec une course qui s'appelle Disneyland, façon modée. Voilà, UFO Race, 30 joueurs, Social Club, machin truc, X-Proto, X80 Proto recommandé. Donc on va prendre la X80 Proto. Évidemment, on va suivre les conseils du créateur. Donc si j'ai choisi cette course, c'est surtout pour le nom. J'ai trouvé ça. Oui, voilà, là je m'arrête sur la salle GTA V. Pourquoi? Parce que la salle GTA V, il fait partie du crew Daddy, comme moi actuellement. Hein, je me suis mis dans le crew Daddy. Le crew Daddy, c'est le crew de The Dad, le YouTuber. Donc voilà, donc on est deux représentants du crew. Donc on va voir à quelle place on va terminer, si on va bien représenter ton crew, The Dad. On va voir si tu vas être fier de nous. Et puis voilà, donc bah voilà, une nouvelle course encore, une course casse-cou. Mais alors celle-ci, donc encore une fois, ce n'est pas en direct. Je suis toujours au Maroc et je ne peux toujours pas. Enfin, je pourrais, mais c'est compliqué, enregistrer en live. Donc, c'est après coup. Je me rappelle de ma place, mais je me rappelle pas vraiment de la course. Par contre, je me rappelle des conditions de la course. Alors, je tiens d'ores et déjà à m'excuser. J'ai fait de la merde, de la grosse merde. Pourquoi? Parce que pendant cette course, on a sonné chez moi ici. J'ai eu un coup de téléphone. Enfin, c'était une catastrophe. J'étais vraiment pas du tout en bonne condition. Pour me concentrer, pour essayer de faire un beau gameplay. D'ailleurs, vous voyez, je pars déjà en sucette. Mais bon, c'est pas grave, hein. Le but, c'est toujours de vous faire découvrir un peu ce que font les gens. Et je trouve cette course génialissime, vous allez voir. Donc déjà, le début est bien cool. Là, voilà, on a une petite avenue. On a une petite avenue avec des soucoupes volantes à droite à gauche. C'est super bien fait. C'est vraiment très classe, hein. Franchement, bravo au créateur. Je sais pas qui a fait ça. The Sting, je crois, si je dis pas de bêtises. Là, je me plante encore. Enfin, là, ça va être un festival de plantage, hein. Je vous préviens. Mais bon, voilà, j'étais pas franchement en condition. Alors, je sais, déjà, j'ai pas un gros niveau déjà en termes de conduite, hein, déjà pour commencer. Mais là, force est de constater que c'est encore pire que d'habitude. Donc voilà, c'est pas grave. Surtout, voilà, hein, je me répète, mais cette vidéo, c'est vraiment pour découvrir un peu ce que font les gens, ce qu'ils proposent. Et cette course-là, voilà, je l'avais testée une fois juste avant tout seul, pour voir vraiment ce qu'elle donnait, si ça pouvait être digne d'un gameplay sur la chaîne Bourri Poulpi. Et elle est gravement digne. Moi, j'ai beaucoup aimé. Tous ceux qui sont sur Xbox One, je vous conseille de la tester, elle est vraiment rigolote. Après, voilà, c'est du fun, c'est franchement du fun, c'est une vraie course farfelue, comme on dit avec Bourri, c'est une vraie course farfelue. Donc voilà, donc des tubes, des loopings, des tremplins, des machins, et puis des poulpies qui se scratchent la gueule. Ah, mais alors là, j'ai honte quelque part de vous faire voir ce gameplay, mais c'est pas très grave. Donc je disais donc qu'il y avait aussi donc dans la session. La salle GTA 5, donc c'est pas forcément, bien sûr, c'est pas la salle, hein. C'est pas le vrai, mais voilà, c'est quelqu'un qui fait partie du crew également, Daddy, et pour l'instant il est premier, et moi je suis deuxième. Voilà, donc là en plus, voilà, on peut même rouler sur l'eau, on se la joue Jésus, le mec il a pensé absolument à tout. Donc c'est vraiment très classe. Cette vidéo sera sans doute allez, l'avant-dernière, on va dire. La dernière ou l'avant-dernière avant mon retour en France et avant donc de pouvoir retrouver enfin Bourri aussi dans les commentaires. La folie de Bourri me manque. C'est quand même très compliqué de commenter des vidéos tout seul. Si on a créé cette chaîne, c'était bien à deux, c'était parce qu'il y avait une raison, c'est qu'on voulait vraiment faire des commentaires à deux. Donc tout seul, c'est moins drôle. Bon là, c'était les vacances. Là, vous pouvez voir un magnifique arc de triomphe. On se croirait sur les Champs-Élysées. Non, c'est franchement, c'est super. Cette course, elle est génialissime. Et puis là, c'est la petite feinte. La petite feinte, c'est ce qu'on appelle un wall breach, je crois. Donc voilà, une brèche dans le mur. Hop là, il faut passer là. Hop, hop. Et puis, bien sûr, même ça, j'y arrive pas. Pourtant, je le savais, hein, parce que quand encore une fois, j'ai testé la course une fois. Là, on est under the map. On est en dessous la carte. Et on va déboucher. On va revenir en haut de la carte, voilà, comme ça, et on se plante. Alors que je sais très bien qu'il ne faut pas aller à fond, mais moi je vais à fond. Voilà, je suis pas de. Là, franchement, je ne suis pas du tout dans la course. Mais j'arrive quand même à rester deuxième. Donc ceux qui sont derrière doivent encore plus se planter que moi, évidemment. Mais bon, c'est sans doute leur première fois. Moi, voilà, j'ai pas trop de mérite non plus à être deuxième, même en roulant aussi mal, parce que voilà, j'avais déjà testé une fois. Donc on va voir comment je vais passer les tubes. Alors les tubes, c'est vraiment pas mon délire, très honnêtement. Voilà, petit wall ride, tranquillou.
Tranquillou, tranquillou. Est-ce que je vais le passer celui-là? Oui, je le passe, c'est bon. Ouais, ça va. Là, c'est maîtrisé. Là, c'est bien maîtrisé. Là, par contre, ça va pas être maîtrisé. Bah oui, forcément. Voilà, ça. Ah oui, ah, ouais, ça c'est marrant, ça, voilà. Je me fais un wall ride sur la route comme ça. Hein, pas mal quand même. Hein. Ouais, non, je fais des trucs assez fabuleux quand même sur cette course. Je sais pas, je sais pas ce qui s'est passé pendant 10 minutes, ça a été du grand n'importe quoi. On va voir comment je le passe, mais c'est pas mal. Hein. La sortie du tube est très compliquée parce qu'il a vachement courbé la route là. Vous pouvez voir, elle est vraiment sur le côté, hein, une espèce de wall ride sans être un wall ride. Et là, il a mis des petites boules et tout. Enfin, c'est vrai que c'est très rigolo sa course. Alors, il l'a appelé Disneyland, je trouve ça cool, je trouve que le nom correspond bien au style de course. C'est un peu n'importe quoi. Black Intox qui m'invite dans un groupe, non, non, je ne te rejoindrai pas, comme d'habitude. Voilà, on arrive là, je pense que là c'est bientôt la fin. Alors j'ai mis 2 tours, hein. De mémoire j'ai mis 2 tours. Alors là vous avez vu, il y a là, ça m'a donné une idée la première fois que je suis passé là. Dans le tube il est vert jaune rouge et je pense que quand je vais rentrer en France je vais faire une course genre Jamaican style. Voilà, avec. Ah, c'est pas mal ça aussi là, quand on monte comme ça à l'horizontale, à la verticale, pardon, c'est vraiment chouette. Un autre arc de triomphe, donc ouais, je disais, voilà, le petit vert jaune rouge, les couleurs un peu, voilà, Rasta, tout ça, machin, ça peut être sympa de se faire une course sous le thème de la Jamaïque, sous le thème de Usain Bolt, hein. Je pense que pour les plus sportifs d'entre vous, vous avez peut-être regardé hein, la finale du 100 mètres qui a lieu en début de semaine, et voilà, encore une fois, le Jamaïcain a tout pété, quoi, il n'y a rien à faire, quoi, c'est un monstre ce mec, c'est une putain de légende sportive, personnellement, je suis assez fan. Allez, bam, je me plains. Aussi là, donc voilà pourquoi pas faire avec des tubes vert jaune rouge, enfin, tout en vert jaune rouge, et puis avec de la fumée aussi, parce que je crois qu'on peut mettre de la fumée vert jaune rouge, donc ça peut être dans le ton, on va dire, de la Jamaïque. Alors là, il me semble, si j'ai bonne mémoire, que je vais me planter. Ça va? Eh ouais, j'ai quand même une bonne mémoire. Ah, c'est la vidéo, je l'ai enregistrée il y a 5-6 jours, hein. Ouais, un truc comme ça, ouais, j'ai dû en fin de semaine dernière, je pense. Mais ouais, c'est parce qu'il me semblait que je me plantais ici, je m'en rappelais. Voilà, donc pourquoi pas faire une course sur le thème de la Jamaïque. Donc ne me piquez pas l'idée, hein. Non, je rigole, les idées sont faites pour être partagées. Ça se trouve, ça existe déjà, hein. J'ai pas été vérifié sur le Social Club. En tout cas, c'est The Dad hein, qui a fait, sur sa chaîne, pour toute la semaine, je crois, il a fait un thème bleu-blanc-rouge, lui, sur le thème de la France. Donc c'est une bonne idée aussi, je trouve. Maintenant qu'on a le droit d'avoir accès à tellement d'éléments, tellement de couleurs, on peut vraiment faire des thèmes sur chaque course. Donc c'est vraiment chouette. Là, on repasse sur l'avenue des soucoupes volantes. Je trouve ça absolument génialissime. Alors ça a été fait, j'imagine, sur 360, puis exporté sur One. Je ne sais pas trop comment on peut faire ça. Je ne suis pas spécialiste en la matière, mais j'imagine que c'est comme ça. Donc voilà, en tout cas, je suis toujours deuxième. Je fais que de la merde, mais j'arrive toujours à être deuxième. Donc ça, c'est quand même assez incroyable. Je suis assez fier de moi en fait, hein, parce que même dans la médiocrité, j'arrive à ne pas être dernier. Donc il y a du progrès. Tous mes potes sur One pourraient vous dire qu'il y a encore un an, j'étais dernier à chaque course en fait. Quand j'étais avant-dernier, c'était en fait mon objectif, c'était d'être avant-dernier. Voilà. Donc j'ai quand même un peu progressé, je suis content, à force de faire des courses, vous me direz, c'est normal. Et puis voilà, donc le premier, c'est toujours la salle, à mon avis, il va terminer premier, oui, je suis même sûr d'ailleurs, c'est lui qui va terminer premier, puis moi je vais terminer deuxième, donc on va bien représenter ton crew, The Dad, on va être premier et deuxième. Chouette! Et d'ailleurs, à propos de la salle, j'ai eu un commentaire sur ma dernière vidéo, un mec me disait que j'avais la voix de la salle. Alors je sais pas comment le prendre, avec tout le respect que j'ai pour la salle, c'est pas là, une voix qui me fait, qui moi me fait, qui me fait, qui me fait vibrer les courses, quoi, si tu veux. Donc ça veut dire que j'ai encore beaucoup de progrès à faire. Donc bah, je vais prendre ça comme une bonne critique. Hein? Merci monsieur. Et puis je vais essayer de progresser. Mais bon voilà, c'est vrai que je suis pas non plus fait pour être. Enfin l'idée, hein, j'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. C'était pas de faire une chaîne en solo, c'était de faire une chaîne en duo. Donc j'attends vivement mon retour en France et de pouvoir refaire des vidéos en compagnie de Bourri. Comme ça, on sera deux, et en plus, Bourri, pour ceux qui connaissent un peu, qui ont déjà écouté nos premières vidéos, il est un peu, enfin, il est même complètement givré, je pense qu'on peut le dire. Donc voilà, un peu de folie, ça fera du bien. Donc voilà, je me place toujours autant de donc. Là, on va repasser dans le Wallbrech. Alors, je suis désolé si je le prononce mal, mais moi et l'anglais, ça fait 56. Donc voilà. Là, je le prends un peu mieux que tout à l'heure quand même. Voilà, là on va ressortir.
Mais c'est vraiment une course, voilà, je trouve qu'il y a tout dans cette course en fait, hein. Il y a évidemment tous les nouveaux éléments, on peut en profiter, que ce soit tube, looping, jump, speed, tout ce que vous voulez. On roule sur l'eau, donc c'est toujours, voilà, c'est toujours rigolo, c'est assez original. Il y a du under the map, il y a du wall bridge. Le mec, il a rien oublié, je pense que là, il a fait le tour complet de ce qu'on peut faire, quoi. Franchement, vraiment gros respect, hein. Je trouve ça vraiment, c'est une course que j'ai trouvé vraiment. Je regardais comme ça sur le Social Club, j'ai juste vu le nom déjà. En plus, il est cool, enfin, il donne envie d'essayer. Voilà. Comme hier, j'ai testé une course qui s'appelait Mario Kart. Donc voilà, les noms pour ceux qui créent vos courses. Les noms, c'est vachement important. Les noms, c'est vachement important parce que moi, je m'en tiens souvent au nom et bien sûr aux captures d'images pour voir un peu ce qu'il y a comme truc. Aux captures, quoi, d'écran. Mais vraiment, les noms, c'est important. Ça peut donner envie d'essayer. Alors après, ça peut être de la merde, hein. Le nom ne fait pas la course, évidemment. Il aurait pu l'appeler Disneyland et faire une grosse merde de course. Mais là, en l'occurrence, non, il n'a pas fait une grosse merde. Je la trouve vraiment bien. Et encore une fois, bravo à lui. Donc, pour revenir sur l'actu de la chaîne, donc on a passé les 30 abonnés, on est quand même très content. Maintenant, on aimerait quand même arriver avant la fin de l'année aux 50 abonnés. Donc, n'hésitez pas, franchement, si vous tombez sur cette vidéo, si vous aimez un minimum, à vous abonner. Encore une fois, normalement, je ne suis pas tout seul aux commentaires, on est deux. Donc, c'est beaucoup plus fun en général. Donc n'hésitez pas, il va y avoir des vidéos, beaucoup de vidéos sur GTA V, mais aussi des vidéos sur d'autres jeux comme NBA 2K17 qui sort en septembre. Il y aura aussi du FIFA, car cette année FIFA, a priori, on fait un mode carrière digne de ce nom, donc pourquoi pas lancer une petite série sur le mode carrière de FIFA. Il y aura toujours du Arc, je pense, ça faudrait demander à Bourri s'il veut continuer à faire du Arc. Et voilà, donc il n'y a pas non plus que du GTA, il n'y aura pas non plus que des courses. Là, je fais que des courses, mais normalement, avec Boury, on fait d'autres choses aussi. On va présenter nos garages aussi à la rentrée, c'est prévu. Donc voilà, on va aussi faire. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Peut-être le nouveau Call of Duty, bien sûr, parce qu'à la base, on est quand même des joueurs de Call of Duty, enfin surtout Boury, moi, Call of Duty, mais ça fait bien longtemps, mais bon. Voilà, donc il va y avoir beaucoup d'autres vidéos sur beaucoup d'autres jeux. Mais toujours avec en tête de gondole bah, nos deux jeux favoris, hein, c'est-à-dire GTA V et puis NBA 2K, parce qu'on est quand même des vrais oufs du basket. Voilà, donc c'était la course Disneyland sur Xbox One que je conseille à tous. Bravo à la salle d'avoir terminé premier. Bravo à moi aussi, en fait, je m'auto-félicite d'avoir terminé quand même deuxième. Parce que vous avez vu, j'ai quand même pas fait une course exceptionnelle. Surtout le premier tour, le deuxième m'a semblé un peu mieux. Mais je parlais tellement que j'ai pas trop suivi la course en fait. Et puis bah voilà. Bah écoutez, bah continuez à suivre notre chaîne, abonnez-vous, likez, et puis bah je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao et comme on dit ici, au revoir, slama!